reason that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est lundi matin, il est 9h30. Le petit dernier vient de se réveiller, il prend son petit déjeuner. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai commencé ma journée. Je me suis levée très tôt, j'ai douché, je me suis ensuite occupée des enfants, je les ai emmenés à l'école. Et comme ils dormaient encore, j'en ai profité aussi pour faire le gîte, donc le nettoyage du gîte et la préparation, puisque j'ai eu un départ hier et une arrivée prévue cet après-midi. Donc ça, c'est super, c'est fait et c'est derrière moi. Maintenant, je vais planifier, programmer ma semaine. Je vais vous montrer tout ça. Donc cette semaine, il y a l'anniversaire de Luméo. Il faut que je planifie tout le contenu pour mon travail, puisque généralement je le fais le week-end, mais j'étais malade tout le week-end, donc j'ai pas mal de retard aussi dans la maison. Et ce que je vais faire pour la toute première fois, c'est de programmer les repas à l'avance. Ça, je ne fais jamais, je fais toujours comme ça, au feeling, je regarde ce que j'ai et puis je fais un repas comme ça en dernière minute. Mais là, hier soir, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il me reste en légumes, qu'est-ce qu'il me reste dans les placards, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Donc j'ai fait une petite liste de repas. J'ai pas du tout fait pour chaque jour, j'ai juste fait une liste de repas et je ferai chaque jour ce que j'ai envie de faire sur cette liste, je piocherai dans la liste. Du coup, je vais aussi faire une petite liste de courses associées. Je pense qu'il me faudra pas grand-chose. Et puis voilà, je vous emmène avec moi dans cette journée et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Amber trees, 'cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves are turning brown. Voilà, j'ai terminé mon petit planning, donc j'ai mis ici les idées de repas et j'aurai juste à piocher dedans. Donc il y aura choux frisés, champignons à la crème avec des frites, mijoté de pommes de terre, carottes, navets jaunes et lentilles corail, une soupe de potimarron céleri au lait de coco avec des feuilletés tofu fromage, une purée de patates douces avec du poisson pané, gratin de butternut, pommes de terre et chou-fleur avec du gruyère, salade avec œufs et tartines d'avocat. J'ai aussi mis les pâtes, donc pour les midis par exemple, pâte bolognaise, gratin de pâtes, salade de carottes, salade de céleri. J'ai prévu aussi de faire deux jus cette semaine, donc avec du chou rouge, des carottes, des oranges et du citron. Et en sucré, j'ai prévu de faire au moins une ou deux galettes des rois cette semaine, ainsi que des crêpes ou des pancakes pour les goûter. Donc voilà, ça donne quelques petites idées. Et j'ai quasiment tout encore dans les placards, donc j'aurai pas énormément de courses à faire. Et donc j'ai fait mon petit planning de la journée, donc planning de la semaine, les courses peut-être aujourd'hui ou demain à voir. J'ai pas mal de ménage et de linge en retard puisque j'étais malade ce week-end. On va faire aussi les invitations pour l'anniversaire et j'ai commencé à faire une petite liste de courses. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, pour ce midi, je vais préparer des spaghettis et je vais faire une petite sauce bolognaise. Donc, j'ai mis des oignons surgelés et des poivrons surgelés. Je vais les faire cuire un petit peu et ensuite, je ferai ma sauce. Et à côté de ça, je vais préparer une salade de carottes. Et donc, ce que je fais pour faire ma sauce bolognaise, donc je mets du tofu haché, c'est le tofu haché qu'on trouve dans les magasins Norma. Je mets un pot de purée de tomates bio de Lidl. Ensuite, je vais mettre du bouillon de légumes en poudre, de la sauce soja. Et enfin du paprika doux, des herbes de Provence et de l'ail en poudre.
slowly, all the leaves start turning brown. Cause it still feels. Alors, il est 15h30 et avant d'aller à l'école, je vais lancer une pâte à crêpes pour faire des crêpes pour le goûter. Donc, il me faudra 250 g de farine, 4 œufs, 2 sachets de sucre vanillé et 500 ml de lait végétal. Just 1 year ago, everything was growing inside. Backed up months ago, it is getting harder each time. I think I hear you now, turning as a calling, reach out. All is going wild, I can't even get through the night. Where did you go, our love? It felt so right, now I can get you off. Spinning like a circle and I keep walking outside. Maybe if I touched you right, maybe I can put up a fight. Oh baby, did I hold you too tight? Well, not tonight. I get home too late, life is getting busy at day. Pour le dîner, j'ai décidé de préparer le gratin butternut pomme de terre et chou-fleur. Donc je commence par couper en petits morceaux mon butternut, mes pommes de terre. Ensuite, je mets tout ça dans mon cuit-vapeur. Je rajoute des chou-fleurs surgelés et je fais cuire ça pendant environ 15 à 20 minutes dans le cuit-vapeur. Where did you go, my love? It felt so right. Now I can get you off. Spinning like a circle and I keep walking outside. Pendant ce temps, je prépare la crème que je vais verser ensuite sur le gratin. Donc je mets de la crème de soja, un petit peu de lait végétal, du bouillon, de légumes en poudre, comme j'en mets partout, de la muscade en poudre et de l'ail en poudre. Ensuite, je rajoute un petit peu de gruyère qu'il me restait. Et à la fin, vous allez voir, je vais rajouter un fond de pot de fromage blanc qu'il fallait absolument vider. You get used to the lack of the person you want the most. It's like a friend in the dark and it's singing you to sleep. Where did you go, our love? It felt so right. Now I can get you off my mind. It's spinning like a circle and I keep walking outside. Well, maybe if I touched you right, and maybe if I put up a fight. Et ensuite, je verse donc ma crème sur les légumes cuits. Donc je garde le cuit vapeur, j'ai simplement enlevé le panier, ça fait moins de vaisselle. Et ensuite, je mets ça au four pendant environ 10 minutes à 200 degrés. Et le résultat était vraiment délicieux. Ça fait deux ou trois fois que je fais cette recette et vraiment, c'est vraiment à tester absolument. Thank you.
Lidl au rayon fruits et légumes. Donc j'ai pris des clémentines, des bananes, patates douces, de l'avocat, du pamplemousse et des oranges, un potimarron, j'ai pris pas mal de kiwis, des tomates cerises et des pommes de terre. J'ai pris repris, je le prends assez souvent. Là, ils vont plus l'avoir en rayon. Il était dans le rayon, comment dire, en promotion. Donc, ils écoulent les stocks et c'est vraiment des très, très bons couscous. Il y en a trois sortes. Il y a aussi citron et l'autre, je ne sais plus. Maintenant, je crois que c'est à la tomate ou quoi, je ne sais plus exactement. Bref, donc j'ai pris celui-là qui était très, très bon. Donc, ils sont à 2 euros et à la base, ils étaient à 3 euros et quelques. J'ai pris des petites tulipes, j'avais trop envie de faire un petit vase de tulipes à la cuisine. J'ai pris des boudoirs parce que donc vendredi c'est l'anniversaire de Luméo et je vais faire un petit dessert, je vous montrerai en vidéo. Rayon chocolat de Noël qui est évidemment en promotion, j'ai pris des papillotes chocolat ailé, chocolat noir ailé et j'ai pris du nougat, ça c'est mon péché mignon. J'ai pris un pain aux noix pour ce midi. Je vais faire une salade avec des tartines d'avocat. J'ai pris des plaquettes de chocolat à dessert pour l'anniversaire du Luméo. J'ai également pris ça pour l'anniversaire pour en mettre dans des petits bols. De la poudre d'amande. J'ai pris des pois cassés pour me faire une soupe. Des herbes de Provence. Une compote de pommes. J'ai pris les pestos comme toujours, le vert et le rouge, du pain de mie, des feuilles de lasagne fraîches. J'ai repris comme la dernière fois, tant qu'il y en a, j'en prends à chaque fois, les tortellini ricotta épinards qui sont vraiment très bons. J'ai pris un paquet de gruyère pour les 2-3 recettes que je vais faire cette semaine. Les purées de tomates que j'ai d'ailleurs eu gratuitement grâce à l'application aujourd'hui. Et du quinoa. Hier, je me faisais la réflexion que ça faisait longtemps que je n'avais plus de quinoa, donc j'ai pris un paquet. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Ok, c'est bon. Ensuite, au match, comme toujours, je vais au rayon anti-gaspi et il y a toujours mon bonheur là-bas, donc les yaourts végétaux à moins 40%. Donc j'ai fait le plein. Ça, ce sont mes préférés. C'est les tout simples, nature au lait de coco. Et ceux-là aussi qui sont très bons, les soja sun au chocolat, pareil, 40%. Donc j'ai pris toutes les boîtes qu'il y avait. Les céréales de Amelio. J'ai pris une boîte de haricots rouges, deux boîtes de tomates concassées, de la crème de soja. Ça, c'est un pot de moutarde. Et j'ai pris un paquet de mâches déjà lavées. Ça dépanne bien dans la semaine. Repas de midi, j'ai décidé de faire la salade composée avec des œufs durs et les tartines d'avocat. Donc j'ai fait d'abord ma salade, donc il y avait de la salade, de la laitue, un reste de pourpier, des petites tomates cerises, des œufs durs et j'ai aussi rajouté des petits raisins secs et quelques amandes. J'ai coupé mon pain aux noix en tranches et ensuite j'ai placé un peu de pesto sur le pain, des tranches d'avocat, du gomasio, vous allez voir tout ça. Sur certaines tartines, j'ai mis des morceaux d'œufs. J'ai aussi gardé deux œufs durs sans les couper pour les garçons. Et je vous laisse avec la suite des images pour voir comment j'assaisonne aussi ma salade. Toujours avec la même chose d'ailleurs, donc c'est un mélange d'huile donc de la marque Quintessence. Donc actuellement j'ai le mélange d'huile pour femmes enceintes, mais généralement je prends celui pour les adultes. Vous avez aussi celui pour les enfants, pour les bébés, ils sont vraiment très très bien ces mélanges d'huile. Vous avez vraiment
tout ce qu'il faut. Il y a du colza, de l'olive, etc. pour avoir tous les bons apports en oméga 3, oméga 6, etc. Je mets aussi du vinaigre de cidre bio, comme toujours, et du sel. C'est toujours la même chose quand j'assaisonne mes salades. Nothing left to tell ya. He says he can't understand. I'm so lovely at night, but so lonesome at day. We got nothing to say, so I drink it away. A bottle each day will take me away. I'm alone with you. With you. With you. Oh, am I alone? I fall. J'ai préparé un peu plus tôt dans la journée des petits puddings de chia. Donc c'est très très simple, vous prenez des petits pots. Moi j'ai pris des petits pots à yaourt avec le couvercle, c'est bien pratique. Et donc dans chaque petit pot de cette taille, je mets 2 cuillères à soupe de graines de chia. Je complète avec du lait végétal et ensuite vous n'oubliez pas de bien secouer pendant au moins 1 minute. Parce que si vous ne secouez pas, ça va rester, les graines de chia vont rester au fond, ça ne va pas prendre. Et au bout d'une minute à peu près, quand vous avez bien secoué, plusieurs fois, vous pouvez mettre au frigo, au minimum 1 heure, je dirais. Et moi, je l'ai mis plusieurs heures, d'ailleurs, c'est mieux. Donc à la fin, vous avez des petits puddings de chia que les enfants adorent. Ils me mangent ça hyper vite. Won't stop running, never will. I'll take some alerts. Dans l'après-midi, je me suis mis un petit peu à mon bureau, donc j'ai géré la vente que je fais toutes les semaines. J'organise une vente de producteurs locaux chez moi. Donc là, vous voyez un petit peu la page, l'interface, c'est La Ruche qui dit oui, c'est le nom de cette société qui est française. Et en même temps, je passe aussi ma petite commande pour la semaine. Donc les commandes se font du lundi au jeudi et on récupère tout le samedi. Donc je gère un petit peu tout ça, je regarde les premières commandes que j'ai eues, puisque j'ai ouvert la vente la veille. Et ensuite, j'attaque un petit peu de travail avec Jolie Moi, donc mon autre activité. Je m'occupe un petit peu de la création de postes, de contenus, etc. D'ailleurs, cette semaine, le thème, c'est les soins de la peau. Donc, on va parler de toutes les problématiques qu'on peut avoir, l'acné, la peau mature, les rides, la sensibilité, les taches, etc., etc. J'en parle principalement sur Facebook. De toute façon, je vous laisse tous les liens en description si cela vous intéresse. My coffee harder iced to get me through another lonely night. I wanna fall asleep, but I shouldn't fall asleep this time. Cause lately I've been sleeping way too much. Cause baby I've been dreaming about us, and I can't help but wish that all my dreams came true. Et voilà, on est déjà mardi soir. Je vais arrêter la vidéo tout à l'heure. Je vais encore vous montrer ma recette du dîner juste après. Je vous fais juste une petite parenthèse. Si actuellement vous recherchez un complément de revenu que vous aimeriez bien gagner 100 euros, 200 euros, voire plus par mois pour financer des projets, je ne sais pas, acheter de nouveaux meubles, partir en vacances, financer un mariage ou que sais-je. Ou alors si vous êtes maman au foyer, que vous avez envie d'avoir une activité bien à vous, d'avoir une activité où vous pouvez travailler depuis chez vous, être votre propre patron avec une entreprise française, etc., etc.
Vous avez la possibilité de rejoindre mon équipe. En ce moment, il y a une offre recrutement qui s'arrête dans quelques jours, dans vraiment pas longtemps, le 22 janvier. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et donc, cette activité, c'est d'avoir une boutique en ligne avec plus de 80 marques dans le monde du bien-être et de la beauté. Pour vous faire une idée, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo et aller visiter ma propre boutique et vous verrez ce que c'est. Je vous mets aussi toutes les infos concernant cette offre de recrutement. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me voir en MP sur Instagram, par exemple, ou sur Facebook. Et on peut en discuter, je peux vous envoyer une brochure, etc. Donc n'hésitez pas, je referme la parenthèse. Donc pour ce soir, je prévois de faire donc la soupe courge, lait de coco, céleri. Donc je vais utiliser un reste de potimarron que j'ai encore et le reste de butternut que j'ai utilisé hier soir pour le gratin. Et dans le frigo, j'ai encore un morceau de céleri. Donc je vais cuire ça et ensuite je vais le passer au blender avec du lait de coco. Et à côté de ça, je vais préparer des feuilletés. Donc, je vais préparer des feuilletés au tofu et des feuilletés au fromage. Donc, je vous montre tout ça en vidéo. Et ensuite, je clôturerai cette vidéo. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, que j'ai toujours fait d'ailleurs, c'est de cuire mes légumes pour la soupe à la vapeur. Avant de les mixer parce que ça garde beaucoup plus les nutriments, les vitamines plutôt que de les cuire dans de l'eau. Alors j'avoue que depuis que j'ai mon robot là depuis un peu plus d'un mois, j'ai souvent utilisé le robot et j'ai cuit directement dans l'eau à l'intérieur, etc. parce que c'est un gain de temps, c'est un gain de vaisselle, etc. Mais là j'ai la motivation, j'ai pas trop la flemme, donc j'utilise mon cuit-vapeur, je vais cuire tout ça à la vapeur, donc 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, je passerai tout ça dans le mixeur avec le lait de coco. Pour les feuilletés, vous allez voir, c'est ultra simple. Donc pour le premier, j'étale ma pâte feuilletée. J'ajoute le tofu à l'ail des ours de la marque Typhoon que vous trouvez en magasin bio, qui est vraiment mon indispensable depuis des années. Donc je place tout simplement mes petits tofu. Ensuite je viens faire trois petites formes de cœur sur le haut de la pâte. Je rabats tout ça sur le tofu, je ne mets absolument rien d'autre, ça suffit comme ça. Et ensuite je viens mettre mes petits cœurs au-dessus. Et pour le deuxième feuilleté, c'est encore plus simple. J'étale ma pâte, j'ajoute plein de gruyère au-dessus et je viens simplement la rouler et la couper en morceaux. Pendant que mes feuilletés sont au four, je récupère les légumes qui sont cuits, je les mets dans mon robot et ensuite je viens ajouter mon lait de coco et du bouillon de légumes en poudre avec un petit peu d'eau et je mixe ça à toute vitesse pour avoir une délicieuse soupe bien onctueuse. Et voilà le résultat, on s'est vraiment régalé, tout était délicieux.
Et sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, si c'est le cas, de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et pourquoi pas d'échanger en commentaire. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez bien soin de vous.